Oui, madame FTV Siri, je remercie encore Bateau Balanacho dans le salon Bienvenue, dans Double Blessing. C'est Mr. Kenny, Mr. Hakim et Olu CJ. Thanks, guys, for everything. Là, tous allez toujours live à Wana Welcome TV. Je remercie encore M. Koubaston, Mwana Lemba Solo Solo, et puis M. Boni Tongomo, le number one. Madame Peggy, vite fait, tout clôturer pour le sujet de l'éducation. En deux minutes, qu'est-ce qu'on peut faire alors, d'après toi? Je l'ai dit tout à l'heure, ouais. En conclusion, pour conclure, l'éducation est importante, est vraiment très importante dans tous ses aspects et aide à un avenir meilleur. Okay. Donc, on en a déjà discuté tout à l'heure. Donc celui qui n'a pas la chance d'avoir une bonne éducation, aura peut-être plus de difficultés à s'orienter et à faire de bons choix. Muto atangi ta ko s'orienter ne ina vie choani na malonga au sala et baba choani zali juste pour son bien-être ozomona. Donc il y a beaucoup à parler, mais bon, par faute de temps, parfois et puis ouais. Alors, moi je vais demander par exemple na gouvernement et puis na ministre de l'éducation, c'est d'investir dans l'éducation, toi investir dans l'éducation ba na biso au bazo botama au bazana au bakoroza plus ta chance de récupérer bango, parce que madame, investir dans l'éducation a de profondes retombées ozomona, beaucoup de profondes retombées. Quand le peuple est éduqué, ça fait la valeur d'un peuple. Ça fait la valeur d'un peuple. Madame Peggy, pardon, quand on va voir, une minute, est-ce que dans le Congo actuellement, parce que tout le Congo est un pays riche, est-ce que tout le système est un peu dans le Rwanda ou bien dans le Congo, dans sa ville, que le système d'éducation est un peu gratuit? Mais c'est faisable. Et ça faisable, monsieur Kokwaris. Et ça, nous allons nous aller à Sikate, et ça, là, dans l'époque coloniale, et qu'on n'a pas qu'au Zonga. Il y a un moment, on a madame F tout à l'heure, ils ont juste bonne volonté. Bonne volonté, il y a ministre, il y a éducation, sauf qu'il y a ça, là, ils ont faisable. Pour la taxe, il y a un peu de temps, par-ci et d'autres, la stratégie, ils allaient toujours pour pouvoir, et ça, là, que l'éducation, ils ont gratuit. Et ça, et qu'on a gratuité, gratuit, ça serait un peu trop dire. Mais pourquoi ça, là, voilà. Et pourquoi ça n'est pas symbolique? Donc, pour permettre bien d'être un Mboka, aux hommes, donc ce que investir en éducation, et ça va profondément retomber dans le bénéfice, comme je venais de le dire, M. Koko Harris. Par exemple, elle permet d'accroître les revenus, bah revenus en Mboka, et qu'on allait accroître, et qu'on améliorer même santé. Aux hommes, même santé à bas, et qu'on allait améliorer. Elle permet de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Aux hommes, et ça n'a pas bénéfice, ébélé que nous ignorons. Même. Le changement climatique, les lots. Changement climatique, les lots. Mais tant que moi, je suis conseillé, je curriculum on a le bien à Bissau, il y a Angleterre, je suis un plus dans Bokawana. Mais pourquoi même, c'est quoi le changement climatique? Pourquoi ils allaient important, il y a qu'on protéger la nature, il y a qu'on a banzété, il y a banzété dans le pangoté, il y a la salité. Mais ils ont un oxygène. Ils ont une valeur et belle. Donc, ils ont plus loin qu'on a éducation, peuple à Koyebango, ils ont un avenir meilleur y a Congo tous en a ben intellectuel na katamboka wana po bazali na bango ozomona mais ils sont malheureux parce que ils ali prouvé nulle part. Donc tu yango tozo senga ils ali loko moko que to luka ba pesa biso ba diaspora opportunité yango ils ali but à y a émission na biso alelo. Donc tout ça la pont wana entre diaspora na pouvoir public de ba ye ba koyoka biso ba ye ba pe ko sa la po ba posa na biso o biso tozu a wato ko ka komema na mboka na biso po na évolution en mboka tu ko vanda kana ba diplôme wana banda côté. Tu vois qu'on va dans le cas de la valise. Il faut te exploiter, il faut te ministre, il faut te pèser. Ah, tout est établi. Bien sûr. Ben, quand les alliés, ne madame Faluba qui va MP Bazali, ce qu'on s'appelle le côté au Kéko Fundabo, ce qu'on s'appelle maintenant beaucoup à l'absence. Nous avons besoin que l'infrastructure en l'insulte Kokam et Kokisama. Il y a des gens qui ont étudié, ben, va y avoir un diplôme, on a Katanda, pourquoi pas amener un plus? Mais va payer sa bise, va fonger l'absence, mais téma, va fonger l'absence, va porte, afin que tout Kokako aide beaucoup à l'absence. C'était un peu ça. Merci beaucoup. Là, Boto de Landa, madame Peggy Simon, en tout cas, merci encore d'avoir clair ces semaines. En tout cas, yo, micro, trop, ça, non, trop, na plateau, na biso. Madame F, comment? En tout cas, là, t'as habité. Ouais. Madame F, ça va, hein? Ouais, ça va. Tout ça, ma polémique, moi, mouké. Non, tout, le polémique, elle était. Nabi. Allô, allô, mon amour, de mon ligne. Allô, bonjour. Bonjour, merci. Bonjour. Allô, bonjour, madame. Bonjour, merci. Nangina a participé à Batwajo sur le... Nous avons déjà live, maman. Pensez à une contribution, on a ma petite loulia. Là, c'est pas vraiment ma cave. Merci. Comment on a... Toujours pas, vas-y, vas-y. Ah, ok, dans le lobby, hein. Là, c'est pas vraiment comment on a battu mi balé, ma maman, mi balé, na télévision, bazo, ma cambo, et ça.
très important pour Namboka Nabiso. Merci. Ils allaient éducation, ils allaient vivre à Moutoumobi. Ok. Toi, Moutouaza est éduqué, Azota Mouranet et Moutoua Koukoufa. Ok. Ils ont vraiment très important dans le pays de maman, Namboka, maman F, Maman Peggy. Maman Peggy, Peggy. Mais vraiment, ils ont encourageant. Comme on a l'éducation et l'émission, il y a Boye. Merci. Et pas Nabiso, pour Namboka Nabiso. Mingi na landa ba émission na biso anki kozala ouvert na landa ba émission ya biso ba congolais na landa ba émission ba nigérien ba ghanaien ba loba mama makambu ya bien oyo zota disake etonga mboka na bango biso za bomwa ba blabla ezala ka mingi mais mingi na zo landa vraiment na encourager ba mama o mama comment on et puis biso ba congolais to landa kango pona ko encourager. Merci beaucoup, maman. Comment on a dit Ok, là, on continue. Je ne sais pas ce qui nous a en ligne. Hein. Ou bien, nous avons ça va. Ok, tu continues. Alors, Madame Peggy, mon maman Lobby, pose aux gens qui été au quitté, en tout cas, à féliciter Madame Oyo Lobby sur l'éducation. Ok. Lobby, en tout cas, vraiment, ça a vraiment frappé, quoi, Madame Oyo Lobby, concernant l'éducation. Yo, Madame F. Ok. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Madame. Combo, Peggy Bissorabi. Maman Chantal à Londres, toujours Maman Chantal. Pesa biso contribution na na masolo o to solo li awa. Allô? Ah OK. Ouais. Na bengi déjà en tout cas na sepe mingi na émission na bino. Oui. Et puis ça très éducatif et vraiment félicitations ma kasi. Thank you. Et puis nanga ina pesa juste contribution nanga par rapport à makambo douane. Ouais, vas-y, toujours comme ma douane. On a douane la Congo, ce qui douane est à la cachère na Congo. Oui, bah que Congo a la portée, oui, coco mema, bah, oui, coco meme la biso ba bateau aminé noané qui t'a rana. Yangwana ba bateau n'y a sauté qui t'a rana pointe noire, à partir de pointe noire, bah, c'est les transbordements, tina, beau mato matadi. Yangwana fret na biso à la cachère. Mais calamite, bah, au fond là, port y a banana. Na port à banana, n'est pas pris en n'y a sauté au quitte. Donc si la douane est chère, c'est justement parce que ma porte n'a bise quoi comme ma papa ni noanate. Okay. Et pour l'éducation à Congo, moi je vais conseiller na madame F na maman na mousou sa pembeni. Pour ça là, maman Peggy comme on a plan na bino, pour comme la ministre à Congo et puis emmener lui ça à quoi agréer na yé et puis vous allez voir que vous allez rapporter un plus la Congo. Ouais. Donc on rapporter un plus là. Na Congo parce que vous avez une idée qui est très bien par rapport à la polémique, M. Salamaki, qui est 50, qui est 50, qui est 50, pourquoi vous avez 100, qui est 50, Madame F, s'il vous plaît, Nazaki n'a point mon compte. Il y a des gens qui sont plus, comment, ça vraiment. Mieux placé quoi. Spécialisé. Spécialisé. Donc, bah, oui, pour ça, l'amour. Donc, et ça, biso, nous, tout autres, sont ça, l'amour. Et ça, il y a pas tout, oh, il y a pas ça, capable. Aux alentours, ouais. Il y a pas tout, oh, il y a pas ça, l'amour, bah, oui, pour ça, l'amour. Résolution voilà. Encore une chose, Madame F. Nengana a souligné, Monsieur Kouparis, tous allez voir le problème au coin média. Au sommet, on a média, tous allez actualiser. Makamoto le Kanambo Kanabiso, tous allez mal sous-informé, et puis tous allez vraiment réalité à Makamoto. Tous allez besoin à média, ils allez vraiment et le bapé Sabiso. Instrument moko ya makasi, parce qu'ils a déjà instrument moko ya makasi. Tous koko kakoza na pona entre diaspora Nambo Kanabiso. Koyeba, qu'est-ce qui se passe réellement na Congo?
Et puis, bango pe ba yeba, qu'est-ce qui se passe ici? Ba yeba pe ba posa na biso diaspora to lingi nini? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Mais madame Peggy, ezali ba rendez-vous moko privé. Tozana besoin ba rendez-vous ezala public. Donc moye botoza na média, chaîne la télévision ezala subventionné. To yeba qu'est-ce qui se passe? Tozo ka ba RTNC par exemple, tozu ango live, moni 20h journal la télévision tozu ango. To yeba makambo zo le kanamboka. To linga ba news kaka teke ya ba Facebook, ou ya ba YouTube, ou ba lobby, ou ba salib, ou ba salib. Non, toling to yeba toz à la page. Pourquoi? L'important, média ezali, c'est une puissance dans le monde moderne qui joue un rôle très important dans le monde aujourd'hui, monsieur Kokwaris. Donc sans média, toz à nulle part. Ozomola, les médias nous permettent. Comment dirais-je? Et qu'on même qu'on aide biso to put our stereotyping into perspective. Osomona, batwaling ko stereotype, olingi ko do média ko permettre biso to batwaza sous informé. Le cas ba mariage gay, ba mariage de salama. Et ça loko moko ba légaliser na bango ngo. Mais peut-être ba Congo ba yebi ngote. Et mis bato tala ba chaîne, na bo ite ke ba chaîne ezan ngo belé ba landaka. Ba TV5, ba chaîne étrangère ezan ngo. Mais bon, on est comme qui un peu entre parenthèses. Mais makambezo le Canada diaspora par exemple, il faut ba yeba. Osomona biso c'est pas 100%, pas 100%. Qu'est-ce que veut la diaspora? Ma commune est le cas, ah, on a kata diaspora. Congo est bien voté, ma cousin Mboka est bien voté, oh, et puis le canakuna Mboka, bisopeto est bien à 100%. Et ça la kaka moutaouti Congo, à l'obia basali boye, à kuna mi rezo kweya, érosion komi boye, et batonga ki. Mais au fin fond, réalité à solo, bisotoze bangote, parce que tous allez sous-informer, tous en a information mon côté. Donc c'est un peu ça, balou kapé gote la pseudo kwa na média, tous en a en collaboration, tous allons vraiment tout travailler en partenariat. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc c'était un peu ça pour Média, c'est vraiment très important. Ok, en tout cas là, on s'approche vers la fin. Allô, on a quelqu'un en ligne là, je crois, ouais. Allô, bonjour. Madame, répond à Sylvana. Allô, bonjour. Allô. Allô. Il est parti, l'école, il est parti, c'est pas grave. Là on s'approche vers la fin. En tout cas, le n'a pas quoi, comme je l'avais dit, tout le mariage, moi, on a mis sur Baudric, et puis on est là. Et puis, je remercie encore Force Tranquille, on a ex-expatrié sur Ali. Et puis, all my staff, a double blessing. Madame F, vite fait, en une minute, ouais. En conclusion. En conclusion. Conclusion. Mais ça, l'effort, on a mis surtout qu'est-ce qu'on peut apporter au pays et qu'est-ce que le pays peut, comment le pays peut nous aider aussi. Et puis toujours, ma cambandouane, d'être le bien beau, beau talé la biseau, puis ma cambouille à l'éducation. Il y a éducation, maintenant, sur maman Peggy au Lobango, beau talé la biseau, ma cambouille, surtout parce que nous ne voulons pas cette barrière-là entre nous, les gens de la diaspora et les gens du pays. Nous voulons être en relation de même, ce que nous pouvons apporter. Et puis, si nous avons fait la biso, Banzela, pour la quête, nous avons moins un plus dans la biso. Je salue mon mari, M. Jean-Bernard Chifunda, Germain, Rachel, et puis maman Marie-Josée Lagrasse, Sophia, et puis voilà quoi. Ok. Moi, je salue encore Freddy Moto, les mamans Bibiche, maman Passy à Salon, bienvenue, et puis tous ceux qui nous soutiennent. Madame Mano, en tout cas, là, on s'approche même vers la fin. Tu peux s'arrêter à moi, 2-3 dédicaces. En tout cas, Saturday, next Saturday. Parce que ça, c'est un sujet, moi, un peu. Oui, il n'y a pas de problème, monsieur Kokwaris. Je suis là à votre disposition. Tu es là pour la maman Mboka, la biseau, la Oboyate. Nagoyaka, toujours, chaque fois que vous avez besoin de moi, je serai là. On n'a pas fini, parce que comme vous m'avez dit, tu m'avais dit aussi que vous avez un verset biblique qui m'a. Mais je pense que par faute de temps, oui. Il n'y a plus de temps, vraiment. En tout cas, gardons pour prochainement. En tout cas, on ne manquera pas. Il y a pour ça va les spectateurs, la mission va faire ses bibliques, on va parler sur eux. Pour l'éducation. En tout cas, moi, 2-3 cailloux. Non, je n'ai pas de dédicace à faire. Je remercie tout simplement mon mari, mon cher époux, l'amour de ma jeunesse, le père de mes enfants, okay. M. Patrick Momba Ekoulé. Et je te salue là où tu es. Je suis sûr que tu es en train de me suivre à l'instant et les enfants. Donc, des gros bisous à vous. Okay. En tout cas, moi, je remercie encore mère chef, ma première femme, maman chef, maman petit. Merci beaucoup de ma bonne nuit. Le micro, maman, va prier pour la bisou. Mère chef, ma grande prière au Saranaté. Et je n'ai qu'un père de vérité. Merci beaucoup. Le grand maître, Mivé John. Thank you very much. Salon, bienvenue. Et je veux aussi saluer qui encore l'homme qui tient plus vite que son ombre. Lucky Luc.
Parce que ah, en tout cas, au meeting, on est vraiment parfait. En tout cas, tout ça, image, en tout cas, je crois, next Saturday, tu vois, dans le meeting, on est sur le Congo. Tout ça, image, en tout cas, on va passer, on va la Belgique, on va au Canada, on va te bêler, on s'en va en tout cas, passer une tubi là.